Yo tout le monde, c'est moi, j'espère que vous allez bien, tout comme ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo très spéciale. Aujourd'hui, les amis, c'est simple. Je vais faire croire à Adèle que j'ai cassé mon ramadan. Donc voilà, je vais rentrer dans la chambre avec un paquet de céréales. Je vais faire Zama, je mange devant lui et tout. Et donc peut-être qu'il va croire que j'ai cassé mon ramadan. Ensuite, dès qu'il va me poser des questions, je vais essayer de me la racler sur lui, etc., etc. J'espère que ces deux vont vous plaire. Je vous jure pour liker, commenter, partager. En tout cas, ne calculez pas le gros spot que j'ai là. Je vous jure, c'est trop la haine. T'as vu, je me suis réveillée ce matin. J'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Après, on a tous des boutons, etc. Mais bon, là, c'est grave quand même. Bref, trêve de plaisanterie. On va y aller. J'espère que le prank va marcher. J'espère qu'il va y croire. Let's go, c'est parti. Donc, je prends le paquet de céréales. J'ai mangé devant lui. Tu vas pas croire que je mange. Bref, c'est parti. À tout de suite. Lia, elle a placé une caméra dans la chambre. Donc, elle a placé une caméra dans la chambre. Et nous, on va rentrer. Et donc, la caméra sera déjà placée. Manger là. J'ai cassé mon ramadan. Quand? Tout à l'heure. Et pourquoi t'as cassé ton ramadan? Parce qu'en fait je t'explique. Attends. T'énerve pas. Attends. T'as vu ce qu'il fait là? T'es en train de manger mais t'énerve pas. Calmez-vous, je vais t'expliquer tout en détail. En fait, genre il y a une fille, elle est rentrée dans ma tête. Quelle fille elle est rentrée dans ta tête? Non, mon père va rentrer dans ton cul toi, comment ça se dit? Mais quoi, je vous insultais direct. Une fille elle est rentrée dans ma tête. Et genre je me sentais trop mal et après j'ai cassé mon ramadan. Comment ça une fille est rentrée dans ta tête? Elle est rentrée dans ma tête, genre j'ai pensé à une fille. Genre tu pensais à une fille? Ouais. Et alors? C'est pas grave ça. Et alors? Oh, c'est ça mon frère, calme-toi. On va manger devant lui. S'il te plaît par contre, demain mais je suis pas fille, j'ai cassé non, maintenant. Non, Momo par contre c'est pas marrant. J'ai cassé maintenant. Oui mais bah va pousser des chocs à pic là-bas. Tu veux m'énerver toi ou quoi? Quand tu joues là? Mais ok, mais c'est bon, j'ai pas fait exprès. Pourquoi tu rigoles? Vous avez quoi? Laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin. Mais pourquoi je te parle ça? Et alors, t'as pensé à une fille, tu t'es dit, je vais casser mon ramadan. Mais j'étais trop triste. J'étais pas bien. Il y a un problème. Non, mais Momo, elle était forcée. Non, mais non. Non, forcée là. Qu'est-ce que t'as? Il y a la caméra là, forcée. Mais il est tard, en fait. Elle est éteinte. Elle est éteinte, c'est trompé, elle est éteinte. Putain, voilà, mon téléphone maintenant, mon truc, il est éteint. Vas-y, c'est raté. T'as cru? Un petit peu au début, mais à la fin, frère, tu forces, t'as cherché un deuxième paquet. jamais t'aurais fait ça, normalement. Tu sais que ton frère, il t'aurait engueulé. Bah oui, là, c'était plus logique. Bref. J'ai déjà lu casser son store pour déclarer, mais... Bah ça a marché quand même au début. Voilà, il a cru. Bah c'est normal parce qu'il a déjà cassé sur toi. Il a pas déjà mangé devant nous dans l'ancienne. Arrête, Momo, tu vas manger sans faire exprès. Ouais, tu l'as vraiment mangé sans faire exprès. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis abonnez-vous pour plus de vidéos. Il y a une fille qui est rentrée dans ma tête. Il y a une fille qui est rentrée dans ma tête. Il a trouvé, il y a une fille qui est rentrée dans ma tête. Il n'y a plus au cul qui va te rentrer dans le cul, tu vois. Allez, dégage. Bref, voilà, c'est raté. Non, ça a marché. Ça a marché. Après, parce que t'as forcé. Ça apprend, c'est parce que ça a toujours marché, allez, dégage. Non, mais. Allez, on a pas sa bonnet là. En plus, Abdel, il kiffe les chocs à pic. Ouais. Un ramadan, tu dur. Et là, tu fuis la difficulté. Action la difficulté. Oh les gars, voilà, je vous donne un conseil pendant le ramadan. Dès que vous allez faire, regardez des vidéos dégustation. Voilà, j'étais chez ma mère, j'avais trop faim. J'ai regardé des vidéos dégustation, j'avais plus faim. Ah, arrête, t'es comme. Il faut regarder un mec qui vomit, comme ça, t'as plus faim. Allez, ah, tu me dégoûtes, frère. Voilà, tu me dégoûtes. Jamie!